Arrivé à la colle Saint-Michel, on voit le gîte d'étape en face pour le ski de fond et Robert qui arrive. Alors on se dirige vers la ferme de Bailly où il y a un camping. On la voit là-bas et nous on va aller sur les arêtes ou les crêtes du Rhin. Ça se trouve un peu plus loin que ça. Le départ de la marche pour monter à la cime du Rhin. Il n'y a pas un moment, une bonne heure et quart et demie. Ça y est, on sort de la forêt, on va enfin voir notre objectif. Je suis essoufflé parce que ça fait une demi-heure qu'on pousse et bouf, ça monte. Ça passe pas tous les jours, hein ? Non. Alors. L'entraînement pour cheval. On va aller tout là-haut. Ensuite, on suivra la crête jusqu'au niveau d'Anotte et on plongera sur Alonce. C'est comme si c'était fait. On va bientôt au sommet. Encore une fois. Bon, puis on s'habille parce que moi, ça fait froid. Cette fois, on est sur la crête. On a remis les vestes parce qu'il fait un petit peu froid. En vue, je vous le montre. Sommet là-bas. Et c'est parti. Je souffle, hein, j'arrive juste. Voilà, on en a terminé par la montée. On est tous les deux dedans. Puy de Rhin, 1996, c'est marqué. Il y a une super vue. Ouais. Voilà, toutes les montagnes qu'on a faites. Je sais pas, non, mais bon. Et on va. Tout là-bas au fond. Alors on a laissé le sommet derrière nous, on commence à descendre la crête, sympa pour l'instant, faire attention parce que l'herbe est humide et ça glisse sacrément. On sait pas, peut-être les pulsations. Allez, j'y vais. Et on poursuit sur la descente des crêtes. Hein, c'est trempé, on en prend plein la gueule. Voilà, on va tout là-bas au fond. Waouh, on dirait une piste de ski. Et en plus, c'est super à descendre, hein, c'est pas trop bosselé. Pas trop de trous et ça file, hein. Ouf. Alors cette fois-ci on quitte la crête, ça veut dire direction droite, et on plonge sur Alonce. On va prendre tout le flanc de la montagne et j'espère un joli petit sentier, on verra bien. C'est par là.